Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le début de la troisième saison Football Manager 2015 avec le Montpellier Héros. Bien, et ben on s'était quitté sur une saison 2 plutôt sympa, en progrès par rapport à la première. Et cette saison 3, j'espère qu'on fera beaucoup mieux et que peut-être on décrochera un trophée. Punaise, j'arrive plus déjà à parler. Bon, ben j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Et puis bah je suis chaud et prêt pour cette troisième saison. On va voir si ça va bien se passer. Allez, on va commencer d'abord par ce qui est transfert de mon côté. Hein, regardez pas, fermez les yeux. Vous n'avez rien vu. Historique des transferts. Alors, bah, on pouvait les ouvrir, regardez d'abord du côté gauche. Côté droit, pardon. J'intervertis ma droite et ma gauche, moi, bravo. Alors, donc, on commence par la vente de Jamel Bakar qui est parti à Toulouse. Donc, voilà, hein, je n'en avais plus besoin, il fallait que je fasse du tri en attaque. Tout comme Berigo, qui a été acheté assez cher par la JOCR, qui est toujours en Ligue 2. Qui apparemment, vu le prix qu'ils ont mis, je pense qu'ils doivent avoir des envies de monter en Ligue 1. Après, bon, ça, on s'en fout. De Plagne est parti à Bordeaux pour 1,9 million. Puis après, quelques libre, on s'en fiche. J'ai vendu Jonas Martin que j'arrivais pas à vendre la saison dernière. Il est parti à Boulogne pour 250 000 euros. Donc du coup on a fait des ventes de 5,7 millions et on a acheté que pour 4 millions. Donc plus qu'on m'avait donné au début. Franchement je suis assez large, j'ai un petit coussin tranquille. Alors regardez pas ce qu'il y a en bas, mais d'abord Daniele Baselli. J'avais besoin d'un milieu de terrain plus fort. Un peu plus fort donc pour... comment dire, upgrade un peu le milieu de terrain. Donc voilà, voici Daniele Baselli. Très bon milieu de terrain. Il peut même dépanner en milieu défensif, mais j'en ai déjà suffisamment. Il a de bonnes stats. La saison passée, il avait fait 42 matchs. Il avait marqué 11 buts pour un milieu de terrain, 12 passes décisives. Il avait fait une saison impressionnante à l'Atalanta, qui est en série B. Est-ce qu'ils sont toujours en série B? Non, non, ils sont remontés en série A. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est bien. Et après, bon ça vous le saviez déjà, c'était un libre. Et là, la surprise, le prêt à option d'achat prépayant. Bon, il s'est déjà blessé, mais avec l'équipe de France, Mbaye Niang. Voilà, la surprise, on me l'avait demandé au début de la carrière. J'ai mis exactement 3 saisons, enfin 2 saisons plus le début de la troisième, pour réussir à l'avoir. Donc c'est un prêt assez cher. Et avec une option d'achat, je crois, de 11 millions, je pense. Parce que bon, ils en demandaient beaucoup plus, mais j'ai réussi à négocier moins. Et un prêt avec option d'achat, on verra s'il nous fait une bonne saison ou pas. Ça dépendra pour activer ou non l'option d'achat. Voilà, donc, on s'est un peu armé. Sauf que je l'avais pas vu. Je viens de le voir avec vous. Non, c'est pas ça. Historique des transferts. Futur transfert. C'est Daniel Guedes, comme vous voulez. Petit défenseur droit, pas très cher, mais avec un bon potentiel. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, il n'arrivera qu'au 1er janvier, puisque la saison au Brésil a, je crois qu'elle a déjà commencé. Je crois, attends, ça c'est la série B. C'est la série B, il y a encore des matchs, ouais, en fait. Faut faire attention quand vous achetez des Brésiliens en été. Ils sont en fin de saison, non, mais je pense que il y a encore quelques journées. Ouais, quoi, ils sont en plein milieu de leur saison au Brésil, donc on peut pas les avoir avant le 1er janvier. Donc ça c'est un conseil à vous donner. Je l'ai acheté pour 2,5 millions, hein, parce que bon, ils en demandaient beaucoup plus, hein, j'ai réussi à négocier. Au départ, il voulait 5 millions, j'ai réussi à baisser à 2,5. Mais bah voilà, il va falloir attendre le 1er janvier 2017. Donc on l'aura que dans 6 mois. Donc ce qui veut dire que je me retrouve à un seul défenseur droit. Donc ça va être très compliqué, ça va être Djebbour. Ça, il va falloir faire extrêmement attention à Djebbour, puisqu'il sera tout seul. Alors heureusement qu'il y a Congrès qui peut dépanner, j'ai quelques joueurs qui pourront jouer les pompiers. On verra ça au fil de la saison. Du coup, maintenant on va parler de ces matchs amicaux. Alors, si vous voyez 4 clubs du Qatar, c'est normal, j'ai fait une tournée au Qatar.
C'est un autre conseil que je vous donne. Donc, je vous montre en direct. Par exemple, vous voulez organiser des matchs, des matchs amicaux, vous pouvez organiser des tournées, des coupes, des championnats et des séries de matchs amicaux. Moi, j'ai fait une tournée. Et la tournée vous permet de choisir selon la réputation de votre club ou la ligue, je sais plus, mais je crois que c'est la réputation. Vous pouvez choisir n'importe quel pays. Alors au départ, je voulais Chine, mais il n'est pas disponible puisque les clubs là-bas ont des sous. Et j'ai vu qu'il y avait Qatar de dispo. Alors c'est quoi la technique? Alors c'est pas obligé qu'elle fonctionne, hein, c'est pas obligatoire. C'est un peu quand même avec de la chance. Parce que quand vous faites des tournées dans ces pays-là, vous pouvez avoir des clubs, vous voyez quand même, les primes sont pas mal. Alors bien sûr, quand vous affrontez le Barça, un Real, vous gagnez plus. Mais en allant dans ces pays-là, vous augmentez votre chance de vous faire racheter. C'est tout bête, hein, c'est un truc tout con. Mais moi, dans une partie perso, avec, je sais plus quel club, je me rappelle, je crois que ouais, c'était Arles l'Avignon ou un autre, je sais plus. J'avais fait plusieurs saisons et je crois que c'était à la 3 ou 4e. Je faisais plusieurs tournées en Chine et à un moment donné, bah, il y a un consortium chinois qui m'a racheté. Voilà. Alors je sais pas si c'est dû à la tournée, mais depuis, bah, je fais ça. C'est un conseil même avec une petite réserve. Voilà. Bon, revenons au calendrier classique. Voilà. Non. D'accord. Bon, j'annule. Voilà, je veux pas. Merci. C'est bon. Alors. On a commencé par le premier club du Qatar, Al Sadd, avec un 2 buts à 1. Fuchs qui avait marqué, mais on avait fini à 10. Donc bon, c'est pas grave. Et puis là, on a enchaîné une impressionnante invincibilité en match de préparation. Ça a commencé par Al Arabi, avec un 2 à 0, Guidetti 2A. Puis nous avons affronté Al Rayyan, 3-0 avec un triplé de Mounier. Puis Jaish, 1-0, Ndong. Puis là on a commencé, donc on avait fini notre tournée au Qatar, on a commencé nos matchs de préparation plus ou moins européens. Donc avec Zurich, club suisse, 2-1 avec Guidetti et Ghezal. De l'autre côté c'est Manuel, mais je ne connais pas. Après, alors ça c'est un club, j'ai pas trop compris. Wangen Bill Holten. Alors ça vient de. Je crois que c'est la deuxième division, ça, je crois, non? En Suisse, ou c'est la troisième, je sais pas. Mais c'est un club, donc un tout petit club suisse qu'on a réussi à battre que 1 à 0 grâce à El Kaoutari. Après, on a mis un 4-0 Old Boy avec un but de Guidetti et un triplé de Mounier. Mounier qui a beaucoup marqué là dans cette prépa. Donc ça, c'est un club de. Ah, voilà, ça doit être promotion, ça doit être D2. Donc l'autre, c'est bien D3 ou D4. J'aime bien le logo, il est original. Après, on a affronté Ingolstadt 3-0, Guidetti doublé et Fuchs. Puis là, Leicester 0-0. Donc là, bon, contre-performance, mais bon, c'est pas. Et là, on a affronté donc l'étoile rouge, je crois que c'est l'étoile rouge de Belgrade, si je me trompe pas. Club serbe. On leur a mis 3-0 avec un doublé de 2A et un but de Gem, le défenseur central. Voilà, donc une préparation satisfaisante avec le plein de morale pour l'épisode du jour avec donc l'Olympique Lyonnais, Rennes et Nantes. Voilà, c'est les trois clubs du jour pour cet épisode. Alors, je vais vous montrer vite fait le recrutement des trois. Enfin, non, un par un, voilà, comme ça au moins ça ira plus vite. Alors, les Lyonnais, bah, ils n'ont acheté que deux joueurs. Le 11 août, Leandro Ponte-Preta. Attends, alors. Comment ça se. Attends, alors, à moins que. Ah, mais non. Attends. 11 août 2016. Oui, mais il. Ah, futur transfert, d'accord, pardon. Voilà. Ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, boulette. Oh, hein, oui. Alors, donc, ils ont très peu vendu. Ils ont juste libéré Steen Malbranck et le prêt de. Ils ont prêté Otavio. Ah non, ouais, ils ont acheté Otavio et ils l'ont prêté. Donc en fait, ils n'ont acheté personne. Personne. Et vendu personne. Donc ils ont choisi la stabilité. Ils ont choisi la stabilité, les Lyonnais. Vite fait, on regarde le championnat précédent. Ils avaient fini 7e. Donc ouais, ils jouent la carte de la stabilité. Ça peut être une bonne technique.
Je pense que ça peut être une bonne technique. Faut voir. Donc, notre point de départ, c'est 9e. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui. Georges Willis, prêté. On prête les joueurs. Je pensais que je m'étais mis plus près que ça du match. Bon, c'est pas... Ah, tiens, oh, bah tiens, ça commence bien. Première journée, déjà le derby. PSG-OM, le combat de la saison précédente. Et le vainqueur, c'est Paris, 2 à 0. Bien joué, avec donc un doublé de Cavani. D'accord. Bah, du coup, bah, c'est à nous maintenant de commencer. C'est la rentrée. Ding ding. Il est temps de rentrer en classe. Morgan Sanson. Pas dispo. Donc on n'a pas Etfana non plus. Donc là, on va devoir bien évidemment faire tourner. Mais on va faire jouer donc notre recrue Baselli pour le milieu de terrain central. Puis nous allons bah, mettre Ghezal en milieu offensif gauche. Alors pour le banc, on va demander à l'adjoint. Alors oui, j'ai pas fait la réunion. On va faire la réunion déjà. Ah, il n'y a pas de raison valable. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Allez, on est parti. On est parti du coup. Bon, ah oui. Lyon a un nouvel entraîneur. C'est Antoine Comboiré. Pourquoi pas. Pourquoi pas. S'il faut, il va réussir à faire quelque chose. On verra. Donc les Lyonnais qui viennent donc en 4, 4-2-4. Pourquoi pas. C'est une possibilité. Ils ont quand même une belle équipe. J'espère qu'il va réussir à mieux utiliser cette équipe que le prédécesseur. On verra. J'espère pas pour moi, hein, contre moi, mais pour la suite du championnat. Ouais. Bah, du coup, finalement, il n'y a pas la réunion, mais... Tout le monde est quasiment bien... Enfin, le moral est suffisamment bon. Allez, on y va. C'est parti donc pour cette saison 3. Avec donc de l'espoir, des ambitions. On va essayer de faire une belle saison, encore plus belle que la précédente. Et donc, ça passe par devoir battre à l'extérieur quand même, hein, il faut pas l'oublier. Ah, attention, le premier corner. Oh, l'asne! Paul Lannes qui ouvre le compteur Montpellierain de cette saison. Bravo! Sur un magnifique corner. Et là, l'asne y était absolument seul, quasiment. Et là, par contre, Cross, il s'est loupé, mais... Après, peut-être que la frappe était tellement puissante qu'il ne pouvait pas faire autre chose. 1-0, c'est le principal maintenant. On va leur demander de se concentrer. 1-0, je vais peut-être... Enfin, je sais pas si je demande déjà de contrôler le match. Attention! Ouais, la réponse ne s'est pas fait attendre. Ah, Louis Détine touché. Bon, tu continues, hein, il peut continuer de jouer. C'est... Excusez-moi. Il y a une petite araignée qui courait. Elle est finie en crêpe. Bon. Bon, bah tout le monde, enfin. Le moral a un peu baissé par rapport à au coup d'envoi, mais bon, c'est pas grave. Allez. J'espère que ça va bien se passer cette deuxième période. Oula, Fuchs, calme-toi. Il peut encore jouer, donc on va continuer. Der, ouais. Ah, attention. Attention, ce corner. C'est bien dégagé. Je pense que là, maintenant, on va essayer de contrôler le match. Alors, on contrôle la rencontre, mais se méfie des contre-attaques. On va jouer peut-être... J'hésite entre normal et contrôlé. Allez, on va passer en contrôlé. Je vais faire deux changements. On va faire rentrer Charlie Adam pour... soulager. Ah bah c'est Baselli en fait qui est complètement KO. Et on va faire rentrer ben 2A ici. Et on va passer Mounier en pointe pour jouer le pompier. Puisque j'ai pas fait gaffe Bailly. Je sais même pas si Bailly était dispo ou pas. Et Mbaye Niang est blessé. Donc, on n'a pas le choix. Attention. Attention à pas se prendre le but. Allez, allez. Continuez. C'est chaud. Allez. On observe la fin de rencontre.
pense qu'à la 85e, s'il n'y a pas de contact ou de blessé, on va sûrement faire notre dernier changement. Voilà, c'est bon. On va faire sortir Lazn du coup et on va faire rentrer Dabo ici. Et on va... Ah bah c'est bon, il peut... Hop, naturel. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais fait entraîner Dabo toute la préparation en milieu central pour au cas où s'il y avait un problème de blessé. Ah là là. Apparemment, dans le prochain FM, ça sera un peu réduit. Attention, Ghezal! Oh non, il aurait pu mettre le 2 à 0, c'est con. Allez, allez, courage là. Courage, il reste que... Bah, quelques secondes. Oh, il doit siffler l'arbitre, il doit siffler. Et on réussit le premier exploit de la saison. On bat les Lyonnais chez eux. 1 à 0, certes. Mais on commence bien. Ouais, en plus, on méritait pas vraiment de gagner. Hein. Ouais. Bon. Bon. Alors donc, Le Havre qui viennent de monter, je crois, si je me trompe, ou je sais plus. On va pas s'avancer là-dessus. Ils ont battu Bastia 1 à 0. Il y a Lens et Valenciennes qui ont fait match nul. Tout comme Rennes et Nantes. Et Reims a battu Caen 2-1. Bien. Ça commence bien. C'est bien. Là, franchement, on commence super bien cette saison là. Keman. Ah, Aston Villa. Lol. Bon, bah voilà, hein. Que dire de plus, hein, à part qu'on va se retrouver donc pour le match face au Stade Rennais. Donc d'ici là, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas s'il y aura une autre recrue, franchement, je suis très content de mon équipe. Il y a eu peu de recrutement, donc ça veut dire, hein, de la stabilité aussi, et donc plus de cohésion. Allez, à tout de suite pour le deuxième match. Bien, et bah les amis, on se retrouve pour le deuxième match. Face au Stade Rennais à la maison cette fois-ci. Donc le Stade Rennais est 13e actuellement. Nous, on est placé 7e. Donc déjà, par rapport à la saison 2, c'est un progrès. C'est bien. Allez, plus sérieusement, on va aller voir les transferts Rennais. Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour le moment. Ils n'ont fait que... Enfin, ils ont vendu surtout Abdoulaye Doucouré à la JOCR pour 3 millions 3, je vous le disais. La JOCR investit pour monter en Ligue 1. La saison prochaine, on va voir vite fait. Pour l'instant, c'est pas super bien parti, mais ils sont pas loin des trois premiers. Ils ont envie de monter en Ligue 1. Hein. Ça se voit vite fait leur équipe. Oh, putain, ouais, quand même. Franchement, s'ils montent pas avec ça, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Hein. S'ils montent pas avec ça, il y a un souci. Donc du coup, ben, vous l'avez vu, hein, les Rennais n'ont acheté personne. Donc eux aussi, ils jouent la stabilité ou peut-être un problème financier, c'est possible. Mais ça donne aussi de la stabilité. Alors donc en fait voilà, Bailly et Sanson sont toujours indisponibles puisqu'ils sont en international. Donc du coup, bah, il va falloir que ça joue encore les pompiers. Ghezal est fatigué. Ça pose problème. Il va devoir jouer, hein, parce que bon, je garde quand même des cartouches fraîches pour, bah, pour au cas où. Cette fois-ci, donc, va, voilà, on intervertit les deux. Ouais. Donc, eh ben, on va voir si on peut faire une réunion cette fois-ci. Non, toujours pas. On y va. Donc, on est parti. Pas de réunion. Alors, oui, le Stade Rennais. Alors là, je ne vous l'ai pas montré, mais ils m'ont fait une proposition. Ils n'ont pas d'entraîneur actuellement. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas acheté. Ils n'ont pas d'entraîneur, ils m'ont fait une proposition, je vais vous montrer. C'est où? Rennes. Ah voilà. Stade Rennais m'avait proposé, mais j'ai refusé. Je fais une carrière que Montpellier, donc. Mimbati, comme on dit chez moi. Donc, les Rennais vont venir dans un 4-4-2 classique. Donc du coup, c'est l'adjoint qui prend le relais. Alors l'adjoint, c'est. L'adjoint là-dedans, c'est qui? L'adjoint c'est Michel Trouin, qui a des stats d'entraîneur, hein, je comprends pas pourquoi peut-être ils peuvent lui proposer du coup un poste plus haut. Je sais pas, hein, parce qu'il a des stats honorables. C'est un très bon adjoint. Même plus fort que le mien. Qui pourtant a un peu progressé, mais trois fois rien. Donc bon. C'est pas grave. Là, ils ont quand même. Bah ils ont Germain, qu'ils avaient acheté.
la saison dernière. Armand qui est toujours là, papy Armand, 36 ans. Pff, au calme. Donc bon bah, on va voir. Hein. On va voir. Bon bah ça a super bien fonctionné. Enfin, surtout pour Kautari et Guidetti, les autres ont récupéré un peu de morale. Tant mieux. Bah c'est parti. Enfin, ouais c'est bon. Parce que des fois ça... ça me fait des fois comme FIFA. Ouais. Donc, on va essayer d'enchaîner. Ça c'est plus important, c'est enchaîner les victoires. Fuchs, allez, allez. C'est bien là. Ça, ça combine bien. Allez. C'est pas terminé. Allez. Allez, ouais, c'est bien là. Ah, dommage. Ah, hop, pardon, j'ai pas vu ta consigne. Voilà. Attention. Allez, allez, allez. Oh, c'était billard, enfin flipper, tout ce que vous voulez. C'est pas grave. Enfin bref. Bon. Un début de rencontre plutôt calme. Ah, coup franc. Allez, Fuchs. Oh, t'es oui, Mounier. Et pas hors-jeu. Non, pas hors-jeu. Premier but de la saison en Ligue 1 pour Mounier. Sans compter, bien sûr, les buts qu'il a mis en prépa. Fuchs, bien repoussé par Costil, mais voilà. Il n'a pas réagi sur le tir de Mounier. Ça, c'est un truc qu'il faudrait peut-être rectifier pour FM16. Peut-être qu'ils vont le faire d'ici là. Attention. On peut peut-être mettre le 2 à 0. Allez, Guidetti, Guidetti, la frappe. Oh là là. Putain, la frappe monumentale qui n'est pas rentrée. Il y a le feu. Il y a le feu chez les Rennais. Il y a le feu. Ouais, peut-être qu'ils vont réagir là, justement. Non. Baselli, c'est bien là. Guidetti. Bien, enfin il faut faire gaffe là. Bien repris à deux. Là, un bon ballon, là, Mounier qui tombe, d'accord. N'a pas compris. Attention, Prisi. Bah, Intep. Intep qui continue sa course. Bien taclé, non. C'est pas fini. Osiner. Quasiment la même frappe presque que Guidetti. Ça atterrit comme Guidetti mais sur le poteau, mais sauf que tout à l'heure c'était Costil qui l'avait poussé sur la barre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est... Non, je suis pas d'accord l'adjoint. Je trouve que ça, ils font un bon match. Il faut continuer comme ça. Là, on va continuer là, débooster. Et l'attaque, ouais, bien, c'est bien. Est-ce que t'as d'autres consignes? Oui, c'est parti pour la deuxième période. Allez, on va essayer de continuer de confirmer. Peut-être mettre un but de plus parce que bon, j'ai pas envie non plus de faire que des 1-0. Benjamin André qui est blessé. Désolé. Osiner, faux. Voilà, il est dangereux. Pour l'instant, c'est calme. C'est calme là. Mauvais dégagement, mais bien repris par les Rennais. Osiner, bien pris, c'est bien. Attention, faut que Kautari, j'ai vu. Mounier. Mounier, c'est bien là. Bon ballon. Le but de Guidetti. Guidetti qui lance. Hors jeu. Oh, j'étais parti sur mon délire. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, Arsène. Bon, alors, Keza, Lazn, Pozeli. Ah, je vais surtout changer mon milieu de terrain. Je vais attendre pour Keza. Le milieu de terrain, c'est plus important. On a marqué. Donc le milieu de terrain, il faut le soulager. Charlie Adam, Bozeli. Voilà, et on va garder le dernier changement pour la 85e à peu près, comme ça on sera tranquille s'il y a une blessure d'ici là. Voilà, en plus l'asthme, voilà, il était un peu touché. Allez, là, on va filer donc. J'espère jusqu'au bout, au pire, peut-être un deuxième but pour nous. Au pire, allez. Bon, là, du coup, on va pouvoir faire rentrer. Non, on va pas tenter non plus la bêtise. On va faire rentrer Deza à la place de Gezal. Pif, pouf. Allez, là, on file jusqu'au bout, au pire. Oh non. Allez, reprenez ce ballon. Non. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. On va calmer la chose. Déjà, on va leur demander... non, la consigne en dernier, parce que ça va me bloquer le truc. On va se mettre en contrôlé. Et là, du coup, on va pouvoir... avec véhémence, on va leur demander de se concentrer, voilà, bing. Parce que
Là, faut faire attention. On a eu l'alerte aux inerts. Faut faire attention. Là, là, il faut pas jouer. Faut pas trop jouer le con. Allez, allez, le chrono défile, s'il te plaît. Voilà, continue. Voilà, parfait. L'arbitre devrait siffler. Et c'est la deuxième victoire d'affilée. 1 à 0. Certes, c'est pas très jojo, 1-0, mais bon, c'est le boulot, c'est le taf. Ils ont fait le taf. Bon, cette fois-ci, on mérite notre victoire. Ils n'ont pas cadré un tir, même le tir hors jeu, ils l'ont même pas compté. Ils ont même pas été sympas. Ils ont pas voulu être sympas avec Rennes, mais là, là, on mérite notre victoire. Là, on la mérite totalement, hein. 18 tirs, 10 cadrés. Franchement, là, on ne peut que la mériter. Bien, bah, deux victoires d'affilée. Alors, Monaco qui bug en 3-2. Lyon qui fait match nul, ça va pas très bien à Lyon, ça continue, ça fait la deuxième ou troisième saison d'affilée, c'est pas bon. Bordeaux 1-0, Saint-Étienne qui bat Nantes 2-1. Match nul entre Nice et Marseille, pareil pour Toulouse et Lens. Bastia qui perd contre Lille 2-0. Les Parisiens qui continuent de gagner 1-0 tranquillement, sans se presser. Reims pardon, qui bat Le Havre 3-1. Donc voilà, bah c'est bien, c'est bien, c'est une journée qui. Enfin une deuxième journée qui se déroule bien, surtout un bon début de championnat. On entame très bien de notre troisième saison. C'est une bonne chose. Voilà. Donc bah maintenant on va aller se retrouver pour le dernier match de l'épisode. Et vu qu'il bon, il est très peu de temps après, je vais sûrement faire tourner un peu. Allez, à tout de suite donc bah, pour affronter les Nantais. Bien, ben non, voilà pour le troisième et dernier match face aux Nantais qui sont actuellement 13e. Nous, on est classé 6e. C'est un excellent début de championnat pour le moment. Donc, on va regarder avant tout ça les transferts Nantais. Alors, les Nantais, par contre, ils ont acheté, mais ils ont surtout bien vendu. Ils ont vendu Jordan Veretout à Monaco. Alors, ça, par contre, c'est peut-être une boulette. Ils auraient pu le vendre à l'étranger. Parce que là, ils ont renforcé un adversaire en championnat. C'est un peu dommage. Après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils ont quand même récupéré 6 millions et demi pour Veretout. C'est pas mal. Ils ont libéré 3 joueurs et vendu Bedoya à Cardiff. Ça, c'est bien. 2 millions 8. Donc, du coup, ils se sont fait des sous. Ils ont pris Jires Kembo et Coco en libre. Moonsan Young bah, de Joanbuck. Club coréen, donc directement un transfert, un pari coréen, et un bon pari, ils l'ont acheté pas cher, il a de bonnes stats, il a une grosse valeur. C'est peut-être. Alors, on voit, hein, c'est le remplaçant, enfin, c'est celui qui remplace officiellement Veretout. Donc, on verra s'il est aussi fort que Veretout. Et après, ils ont un prêt quand même Assier Villalibre. Connais pas. A l'air d'être un bon jeune buteur. On verra. On verra pour les Nantais. C'est une solution comme une autre, pourquoi pas. Donc là, on va avancer. On va avoir normalement le premier résultat du premier match de cette journée. Donc Marseille qui continue de gagner 3 à 0 face au Canet. Non, pas au Canet, au. C'est au Canet, oui. Parce que Cannes, c'est Cannois. Et quand c'est Canet. Voilà. 8e Marseille. Bon, on verra après. On continue. Donc là, Lille et Reims se neutralisent. Donc maintenant, c'est à nous. C'est à nous de rentrer en scène. Donc là, on va faire tourner. On a récupéré Morgan Sanson. Donc du coup, il va pouvoir remplacer Paul Lasne qui tire la langue. De base normalement c'est Sanson Lasne hein, donc faut faire attention. Charlie Adam va prendre la place de Baselli. Ah bah non puisque c'est Sanson et Lasne. Donc du coup Baselli tu vas prendre la place de Sanson et Sanson va rester sur le banc. Lasne est vraiment fatigué, on va le faire souffler pour de bon. Je peux pas changer mon attaquant puisque Bailly est toujours pas revenu de sélection. Donc on va devoir faire tourner autre part. Deza prendre la place de Mounier. Je ne peux pas mettre Aitfana, donc Ghezal reste là. On va modifier donc la défense, donc avec Congrès qui va prendre la place de Gem et Saint-Ruf va prendre celle de Kautari.
Défenseur droit, je peux pas changer. Milieu défensif, je peux. Ndong, donc on a fait tourner, donc maintenant c'est à Dabo. C'est à son tour. Jordan, tu vas pas jouer puisque tu joues les coupes. D'ailleurs, il est pas hyper content, mais bon, on s'en bat les couilles. Voilà, donc c'est tout ce que. Ah si, si, je peux faire tourner Fuchs avec Roussillon. Sinon, bah, je peux pas faire plus. Je peux vraiment pas faire plus. On va y aller comme ça. Donc bien sûr, hein, s'il y a un problème, on pourra faire rentrer les joueurs. Donc on va tenter. C'est un pari de faire tourner. Je suis quand même un peu obligé puisque le match, vite fait, regardez, calendrier, voilà quoi, le Rennes est là et nous c'est ici, voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de jours de repos, donc il faut faire tourner, il faut mettre l'équipe 2. Problème, c'est que entre les blessés, Aitana et Mbanyang, et puis la sélection pour Bailly, c'est pas pratique. Et puis Djebbour qui lui doit faire 6 mois sans se blesser. Ça franchement, touchons du bois, j'espère qu'il va pas se blesser. Sinon bah à part ça, on est parti. On va voir hein, ce que ça donne. Les Nantais. Alors aux commandes des Nantais, c'est René Girard. Donc attention, on va devoir s'attendre à une compo défensive. Et s'il gagne, bah, ça sera que 1-0. Comme moi. donc on verra. Bon, pour l'instant, on est 6e. Le classement, bon, ça on verra après. Écarté, non, non, non. Alors, il a juste besoin de souffler. Voilà, c'est tout bête. Vous avez réservé quelques surprises hein, pour ce moment, vous donner la raison. Je vais faire tourner étant donné le calendrier, voilà. Et ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, René Girard, il va blinder. Et puis bah voilà. 4-5 quarts défense. Villalébret tout seul. Il nous a mis 5 milieux de terrain alignés près quasiment. 4 défenseurs. Ok, merci. Voilà, on va jouer l'offensif. Hein. Mais il va falloir attention parce qu'ils vont jouer en contre. Il va faire attention. J'ai un peu peur. On est parti. Et tout de suite. Non, terrain. Tout de suite, je vais leur donner la consigne avec véhémence de rester très concentré dès le début. Allez. Attention, les Nantais. Ah non, c'était repoussé. Gomis qui va pouvoir donner. Là c'est Yuguda, Gomis, Soon, enfin ouais Yoon, Gomis, Yoon. Bon ballon de Yoon pour Bessa, attention. Ah, et la boulette de Djebbour. Allez, vas-y. Vas-y, si Djebbour il se met à faire des boulettes lui aussi. Franchement là. Là c'est con. Là franchement c'est con ce que tu viens de faire Djebbour. L'expulsez pas, s'il vous plaît. J'en ai pas d'autres. C'est bon? Non, non, c'était juste un avertissement. Bon. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait tourner. Là, c'est Djebbour qui a fait vraiment une erreur. Allez, hein, croisons les doigts. Villalébret, tout jeune. Et non. Eh ben, la jeunesse paye. Ouverture du score des Nantais par Villalébret sur un penalty. Il a tiré suffisamment fort pour que Léali ne puisse pas intervenir. On va les bouger. Allez, Roussillon qui est touché. Même blessé. Allez, Ghezzal, vas-y, comme si j'avais assez de joueurs. Putain de. Hein, voilà, vous m'avez compris. Du coup, ben. Ouais. Bon, donc Mounier qui rentre. Et mi-temps. Donc là, on va être très très en colère. Voilà. Roussillon, tu vas devoir laisser ta place à Fuchs. Là, on a déjà gaspillé deux changements. Merci à ce boucher vous les oreilles. Non, je rigole. Hein, à ce sale bip de sale bip et putain de bip de René Girard. On y va. Voilà. Il m'a blessé donc deux joueurs, dont un assez gravement. Enfin, j'espère pas. Et puis, ben, la deuxième période, voilà, vu qu'il a blindé, on va pas y arriver. Ah peut-être là, allez un miracle, allez 2A. C'est bien, c'est bien. Ça serait mieux si on cadrait. Si on cadrait, ça serait mieux. Ouais, Guidetti qui est complètement rincé, le pauvre. On peut pas faire autrement. Allez, un coup franc de Fuchs. Oui, Fuchs. Oui, notre sauveur. Voilà, il est présent. L'expérimenté Fuchs.
La cervelle du groupe, la cervelle de l'effectif qui a pff, magnifique. Absolument magnifique, pouvait rien faire. Le mur, au revoir, le gardien, salut. Ah bravo. Fuchs qui nous sauve la peau. Il nous sauve la mise. On continue. Ouais, je suis obligé de faire sortir Guidetti, mais je vais me mettre qui? Je vais mettre qui? J'ai plus de buteur quasiment. Là, ça va être du rafistolage. Non, l'inverse. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire, putain. Ça, maman, on va remettre à la base. Donc, ce que je veux faire, c'est Charlie Adam là. Tu mets ça ici. Il a rien compris le jeu. Je te dis Charlie Adam là. Ta mère. Ah non, c'est Adam qui est déjà là. Oh putain, mais attache-toi un cerveau, Tiroan. Donc voilà. Ici. Voilà. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais faire à la base, mais. Je suis tellement. Comment dire? Bien réveillé. Voilà. Hein. Tellement bien réveillé que j'ai pas fait gaffe. Donc là bah je pense que ça sent pas bon. Ouais voilà, ça pue, le chrono défile. Ouais non, ça ouais, bah ça sera le nul. L'arbitre va siffler. Il va siffler normalement. Peut-être un miracle. J'ai beau le bon centre. Non bah c'est tout pété. Du coup Rio là il va dégager. Et ben il siffle toujours pas. Qu'est-ce qu'il attend l'arbitre? Ah c'est bon, voilà, il a sifflé. Match nul, bon, bah c'est une contre-performance. Qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. C'est bon, on a rattrapé le coup. On n'a pas un autre? Non, c'est bon. Bon, bah voilà, on a. Bon. Contre-performance. On méritait la victoire, mais on a dû rafistoler une équipe de. Moitié 1, moitié 2. Les blessés. L'autre bâtard de Girard qui joue le gros salaud. Il a réussi quasiment son plan, voilà, un partout, il a ramené un point, voilà, bah nous, bon bah ça nous parachute cinquième, ouais c'est bien, mais bon j'aurais préféré enchaîner une troisième victoire, mais bon, après tant pis on va pas non plus trop se plaindre, donc Saint-Étienne qui perd 3-0 à Bordeaux, match nul entre Le Havre et Monaco, pareil pour nous, et 1-0 pour Bastia ainsi que Paris sur Toulouse. Voilà, donc fin de ces trois premières journées de la saison 2. Un nul arraché, ouais, mais bon. J'aurais préféré la victoire, franchement, j'aurais préféré la victoire. Le 7ème, 125ème, non, inscrit un pénalty aujourd'hui suite à l'erreur de Yacine Djebbour qui avait fait savoir sur lui. Bah, j'espère qu'il rendra plus fort. Fou que ça a inscrit un super but sur le monde de 17 mètres qui a cloué le bec au supporter adverse. Il a dû apprécier une assurée. Voilà. Donc Fuchs fait une forte impression. Bah oui, bah depuis qu'il est là, il fait que des bonnes impressions. C'est un super joueur, Fuchs. C'est le joueur libre qu'il faut recruter à chaque carrière. Je vous le dis, à chaque carrière, quand il est libre, prenez-le. Il est monstrueux. C'est un excellent joueur depuis beaucoup de FM, mais même en vrai, en vrai, bon, un peu moins, parce que bon, bah il a pas eu de bol avec Schalke et tout ça. Mais bon, après, c'est un bon joueur. Et donc, ben. Je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Bon, du coup, ben là, on va faire le point sur le classement. Après 3 journées. Donc, c'est les Bordelais qui font un sans faute avec le PSG. Bordeaux, la surprise peut-être de cette troisième saison. Puisque Marseille a calé, a un peu calé, a raté son départ. Ils ont fait un faux départ. Bon, ils ont tout eu, hein, ils ont eu les trois, ils ont eu victoire, match nul, défaite. Ils ont un peu calé au départ. Donc on peut dire que pour l'instant, notre satisfaction, c'est d'être quand même déjà cinquième et surtout devant le précédent champion de France en titre. Donc là, Bordeaux et Paris sont les deux premiers, tranquille. Lille, troisième. Reims, la surprise de cette saison 3 pour l'instant. Après 3 journées, ils sont 4, nous on est 5. Nice, 11e. Et les trois derniers, c'est Toulouse. Lorient et Caen, qui est bon dernier. Point Ligue 2,
Sochaux Armes. Voilà, avec Auxerre qui est pas loin, je vous l'avais dit. Donc pour l'instant, les buteurs, c'est Djordjevic en Ligue 1 avec Isotelin, Cavani et Doren Pabon. Pour les passeurs, c'est Pungé, Pentecôte, Zivkovic et Abouma. Pour les gardiens, Léali est dans les 4 meilleurs gardiens. Peut-être la saison à Léali où il va peut-être prendre un peu moins de buts. Là, il a pris que un but en 3 matchs. C'est bien. Le prochain épisode. Donc, on va, je pense, on va. J'ai envie de vous faire quand même le match face au champion en titre, donc Marseille. Donc je vais englober qui? Bon, on va englober Monaco et Valenciennes. Tiens, voilà. On va se faire donc pour le prochain épisode. Nous aurons Monaco, Marseille et Valenciennes. Donc on aura passé 4. Non, 3 matchs. Voilà. On aura passé 3 matchs. En espérant que ça se passe bien. Voilà, que ça se passe bien. Voilà. C'est principal qu'on continue de surfer sur notre vague de confiance depuis le deuxième match de prépa. On enchaîne un bon calendrier pour l'instant. Et là, on a quand même trois clubs, dont deux qui commencent moyennement bien le championnat. Donc on a les chances de quand même rapporter, allez, je dirais 7 points sur 9. Ou 9 sur 9 si on réussit à battre Reims, qui fait un bon début de championnat. On verra. Voilà, donc bah, je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, hein, à me dire ce que vous pensez de l'épisode, de la série, vos conseils, tout ça. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, comme je l'ai dit, un petit pouce bleu pour faire plaisir. Me suivre sur Twitter, très important. Instant Gaming, tout est dans la description. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine pour de nouvelles aventures sur FM 2015. Bisous à tous!